Bonjour, ici Dan Bollander, j'ai testé taxer les bonbons. Les bonbons? Non, c'est à l'État, maintenant, c'est à l'État. Les bonbons? Non, confisqué. Bonjour, monsieur Batelier du ministère de l'économie et des finances. On vient par la taxe dentaire. Vous savez que tous les bonbons vont être taxés de 5%. Non. À tout à l'heure. Ça sera réglé. En fait, c'est pour renflouer les caisses de la sécurité sociale. Oui, bah merci, hein. Je donne assez comme ça déjà. On vient vous apporter la PLV que vous devez mettre. J'ai mangé trop de bonbons, je paye l'addition. On va faire des pots de bilan comme ça, on paye l'addition aussi. Non, pas du tout. C'est déjà les commerçants, les vaches à lait. Alors là, on va fermer la boutique si on vend plus de bonbons, si on vend plus de pain, si on vend plus rien. Non, mais c'est vrai que les soins dentaires coûtent excessivement cher pour l'instant. Je suis boulangère depuis 25 ans. Mes enfants n'ont aucune carie. Alors, vous voyez que ça veut rien dire. Le gouvernement a décidé d'augmenter de 5% les confiseries. D'accord. Donc vous devez distribuer tous les chocolats dans ce type de boîte. Donc c'est indiqué taxe dentaire 5%, oui. Comme vous pouvez le voir. Et alors voici l'affiche que je vous montre. J'ai mangé trop de bonbons, je paye l'addition. Et vous croyez peut-être qu'on va mettre ça voilà. C'est obligatoire, madame. Écoutez, bon, c'est bon là. Ça va. Mais sérieusement, madame, vous avez vu tous ces gens qui mangent des confiseries? Et alors? Et qui vont. Pas de mal, non? Et maintenant, ils vont chez le dentiste. Bah, oui. Et vous avez vu le prix des soins dentaires, madame? Pardon, mais non, mais c'est important que les clients soient au courant. Non. C'est important, oui, bon, de pas alors, le mettre. Vous voulez que je le mette en vitrine? Vraiment moche. Ou ici? Franchement, il n'est pas moche. Non. Je vous le mets en vitrine. Non? Ah non? Bon. Vous le mettrez on le place pas en vitrine? Je suis désolée, monsieur. Je vais vous donner tout votre bazar dans un sac. Je vous fais cadeau du sac si vous voulez. Non, non, hein. Et vous repartez avec. Bonjour madame. Monsieur Batelier, ministère de l'économie et des finances. Vous n'avez pas reçu a priori la PLV concernant la nouvelle taxe? Ah non, on n'a pas reçu ça. D'accord, vous êtes au courant? Non, pas du tout. Vous allez devoir augmenter le prix des bonbons de 5%. C'est un impôt en plus ou... C'est un impôt en plus, oui. Sinon. Bah oui, mais la plupart des gens qui mangent des bonbons ont des caries, donc ils vont chez le dentiste, d'accord? Et les soins dentaires coûtent très cher. Donc vous voyez, faudrait mieux qu'on vende plus de bonbons, je pense. Non, on a simplement... Mais c'est scandaleux, je suis désolé, moi ça me sort par les yeux. 5%, c'est une honte. Voilà, donc vous allez devoir prendre les bonbons et les mettre dans des petits sachets qui expliquent qu'il y a une taxe dentaire de 5%. Dans ces cas-là, dans 3 mois, je ferme ma boutique, je fais plus de chiffre d'affaires, voilà. Non mais attendez, c'est juste 5%. Non mais je veux dire... Les je fous tout du monde, je le ferai pas. Ah, mais, c'est mais non, je m'en fous, je le ferai pas. Mais c'est je le ferai pas. Arrête, arrête. Voilà, la poubelle. Eric, arrête. Voilà, mais c'est inadmissible.